lulu boy, you la bebe mo bongo babu be. Yabala sude wunde ne, you la msumba mongo mabu be. Na kusimaleta mongo, utile di nomba bone bunya. Bisona wadi titi pena, dilaka bunya bo. Oi nanga tondo tie, oi bemfer musi manamba. Bisona wadi titi pena, dilaka odi longeto dine. Natimbi kusanya mumie, numa sipsemba mongele dibu. Yane ndulango nyajita, nyula mutonu pepe. Natanona wao kumunde wane yamba mbide mubongo babobe. Katanjumbwari male yawa, uni wasamba wipolo mese. Na imapula peto senge numbangoye, mula umbasane di muambe. Jane bedube bongo bangolo, mula mutonu pepe. Tate, naima nanga peowa, amuna papa, naima pula peowa. Timbe amsono amami somambe, timbe anadina lamie. Wamu timbe anutapono biyambae, de timbe aninumba mie. Amuna papa eh, dembana ah. Amuna papa eh, naima pula peoa. Dime yamba, dime yamba sobie, naima pula peoa. Bienvenue sur notre plateau, Rudy. Merci. Ça fait très plaisir de vous rencontrer, pour ma part, parce que c'est la première fois que je vous rencontre. Alors du coup... Moi de même. Oui, on a eu un petit peu l'occasion de discuter tout à l'heure. Donc je sais que vous êtes originaire du littoral. Donc vous êtes un petit peu originaire de l'endroit des côtes où il y a de l'eau. Alors est-ce que vous avez eu envie de chanter déjà dès le ventre de votre maman, parce que vous avez une telle facilité comme ça? Dites-moi. Ah, ça, je ne sais pas, dans le ventre de ma mère, je ne sais pas comment. Ben, je sais que la musique, comme je l'ai découverte dans ma famille, c'est une histoire vraiment, vraiment très, très familiale, si je peux me répéter. Voilà, moi, l'envie de chanter me vient comment un peu tardivement, si je peux le dire. Je ne pensais jamais que j'allais chanter, je n'avais jamais programmé que je serais une chanteuse. Mais je pense qu'il y a un destin qui ne se trompe pas.
il y a une lignée et on ne peut pas détourner cela. Donc voilà, je me retrouve en train de chanter comme alors, ça, à tout hasard. Par quelles circonstances est-ce que le chant est arrivé dans votre vie? Les circonstances, déjà, si je peux revenir un peu en arrière, déjà dans la région côtière, un peu dans le monde, hein, c'est des régions où on retrouve le fleuve, la mer et tout cela. C'est des régions où les gens sont toujours en train de chanter. Parce que quand on voit des pêcheurs qui vont dans la mer, qui vont chercher des poissons avec des pirogues et tout, ils sont toujours en train de chanter pour se donner du courage, face à la mer, on est vraiment face au danger, on peut dire. Donc, ils s'encouragent en chantant. Et quand ils reviennent de leur pêche, donc pour alerter le village et autres, donc ils reviennent avec des chants, c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont en vie, ils sont revenus et il y a des provisions. Voilà, donc dans ma famille, je suis du littoral, ma mère qui est du Vouri, notamment, presque Douala, de l'autre côté de Bounaberi, donc Bounindale. Et mon père qui est toujours du côté aussi de l'eau, donc d'une cam, donc de Yabassi. Donc ça fait que j'ai les deux côtés et puis on retrouve les deux côtés de par la famille de ma mère et celle de mon père. Il y a eu des musiciens, il y a eu des chanteurs, notamment du côté de papa, il y a Manu Dubango qui est le cousin de mon papa. D'accord. Donc du côté de ma mère, il n'y a pas eu d'artistes vraiment connus, mais il y a de l'art, il y a des peintres, il y a un peu de tout. Ma mère qui chantait juste, qui faisait sa chorale et qui était à fond dans la chorale, et donc du coup je me retrouve baignée dans cette atmosphère. Et puis maintenant quand on commence à voir les enfants de cette relation du papa et de la maman, où les artistes sont nés bien avant moi, donc on a déjà un aîné, Titi Koto, qui est un guitariste classique qui a fait le conservatoire de Paris pendant des années, qui est au Cameroun naturellement. Après lui, il y a eu le défunt Koto Bass, qui était un excellent musicien, si je peux me permettre. Bien sûr. Voilà, bassiste, arrangeur, chanteur. On va applaudir très fort. Paix à son âme. Pour Koto Bass. Ensuite, derrière Koto Bass, merci. Merci. Et derrière Koto Bass, il y a eu un autre, Henri, qui est chanteur, batteur. Et après lui, il y a une qui ne veut rien faire de cela, qui veut pas entendre parler. D'accord. Et ensuite, moi qui clôture la famille, je suis la cadette de la famille Koto. Et je me retrouve, emprisonnée par la musique. Pour notre plus grand bonheur. Pour notre plus grand bonheur. Alors, justement, j'aimerais bien savoir quelle est votre actualité actuellement, parce que vous êtes en tournée. Je sais que vous voyagez beaucoup à travers l'Europe. Alors, dites-nous comment ça se passe en ce moment. En ce moment, vous revenez là d'ailleurs. Je reviens d'un autre continent, de l'Asie. Donc, il y a, je pense, deux, trois jours, j'ai le décalage. Jet lag. Voilà. Et donc, j'étais à Pékin. Carrément. Oui. Et ça s'est très bien passé. Ce qui est bizarre, c'est que on retrouve les Camerounais partout. Incroyable. Et ils sont aussi nombreux que pratiquement comme au Cameroun, mais vraiment d'un accueil super convivial. Et on se dit qu'on est au Cameroun. Et ça nous fait chaud au cœur d'être accueillis de la sorte. Ben, c'est magnifique. Votre vie artistique, est-ce qu'elle se développe beaucoup plus en France ou au Cameroun? De moins en moins au Cameroun, un peu plus dans le reste du monde, parce que quand j'ai écouté mon aîné qui est là, qui parlait Angelina Tizano, voilà, et il y a une chose que les Camerounais ne comprennent pas, ou les mélomanes, c'est pas parce qu'on n'évolue pas au Cameroun non, qu'on n'évolue pas ailleurs. Moi j'évolue ailleurs, j'évolue mieux ailleurs qu'au Cameroun, ça ne me gêne pas. Je suis camerounaise, je suis partie du Cameroun, je chante toujours. Sans pour autant régner le Cameroun. Je n'ai pas régné le Cameroun, mais si le Cameroun me réunit, ce n'est pas un problème. Parce que je dis, parfois on n'est pas forcément reine dans son pays et qu'on est... Nul n'est prophète chez soi. Tout à fait. Mais je dis, ce n'est pas pour autant que je vais m'énerver ou bien ça va me fâcher. Non, je dis, si mon talent est reconnu ailleurs, je préfère aller ailleurs et que de le gâcher au Cameroun. Alors, quand vous allez au Cameroun, comment est-ce que vous êtes accueillie?
Ça dépend des humeurs. Il y a pas un moment je suis bien accueillie et pas un moment pas. Et ça dépend de ce que je suis venue faire au Cameroun parce qu'à chaque fois, je ne vais pas forcément pour prester. À chaque fois, je ne vais pas justement pour faire ma promo. Non, je peux venir au Cameroun pour d'autres raisons. Pour des raisons familiales. Familiales ou bien juste pour, voilà, j'ai envie de poser, j'ai une envie d'aller au Cameroun, j'y vais. Ce n'est pas forcément pour faire la promo. Mais quand je viens pour la promo, il faudrait que, voilà, le minimum que je sois accueillie en tant que telle, en tant qu'artiste camerounais. Parce que nous sommes des ambassadrices. Tout à fait. Du monde au Cameroun. Peu importe ce que les gens vont dire. Moi, quand je vais chanter ailleurs, je représente le Cameroun parce que je ne chante pas d'autres musiques que la musique du Cameroun. Je chante en camerounais, quelle que soit la langue. Douala, Bassa, Bamileke, ceux qui ont travaillé avec moi, je chante toutes les langues du Cameroun. Donc, je pense que le Cameroun, je dis, c'est un signal, c'est un peu comme un appel au secours. Je dis, les Camerounais sont des mélomanes. Ils aiment la musique, mais aimer la musique camerounaise, c'est deux choses différentes. Ils apprécient beaucoup plus ce qui vient d'ailleurs. C'est dommage. Voilà. Alors, je dois vous dire que je suis très, très fière d'avoir ma sœur à côté de moi, ma petite sœur, qui fait de la musique excellentissime. Et c'est une musique qu'on peut écouter aussi bien dans son lit que en dansant, que du côté de Pékin, comme vous l'avez vu, que du côté de New York, que du côté de Douala. Alors, je vous demande juste aimer vos artistes à leur juste valeur. Et j'en profite pour la saluer, pour l'inviter, parce que je suis en studio actuellement. J'aimerais bien qu'elle vienne me faire quelques voix là. Oh, le public, les téléspectateurs, sont en direct, c'est magnifique. Ben, ce sera avec plaisir. Et puis, c'est tout un honneur de rencontrer Angelina. Je lui disais tout à l'heure dans les coulisses que c'est la première fois qu'on se voit. Je la connais depuis que je suis toute petite, avant que je ne commence à chanter. J'ai écouté, j'ai fredonné un tout petit peu ses chansons. Et tout à l'heure, je me suis rappelée de cette chanson. Et vraiment, c'est un honneur pour moi. Et grâce à soirée spéciale, vous ne vous quitterez plus jamais. Et on ne se quittera pas et je passerai en studio. Il n'y a pas de souci. Bye. Oh.
elle sera comblée. Ah oui, pour elle, c'est un honneur. Kama plom na kusino lumena motote na nyansa mo e wolo baba bamenda bala ba usabane mopongo atande na bakala e bana mo e wolo baba bamenda bala ba usabane mopongo atande na bakala e Mesdames et messieurs, avec Nyanga Muto, la fierté du Makossa au féminin, les besoins des bravo femmes. Ruth, bravo. Alors les besoins, les besoins des femmes, c'est bien d'en parler, le besoin des femmes. Pourquoi parler de cette chanson? Pourquoi parler des besoins des femmes dans cette chanson? Alors Nyanga Muto, c'est un doigt là. Oui. Ça veut dire tout simplement les besoins de la femme. De la femme. La femme a besoin de quoi? D'être rassurée, alors de savoir que cet homme avec qui elle vit pendant des années va un jour se décider à l'épouser. Et je vous dis, je suis une femme. Il y en a qui disent, le mariage, ce n'est pas une finalité, certes. Mais ces femmes qui le disent, la plupart, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'être mariée, je suis bien comme je suis, certes. L'homme, c'est un mal nécessaire, quoi. Mais je vous dis... Le besoin de la femme, le plaisir de la femme, ça doit, c'est ne serait-ce que de porter ce nom, Madame Telle, de porter cette alliance, même si un jour ça va finir, peu importe la raison. C'est d'avoir un homme à ses côtés. C'est d'avoir un homme. Un bon, un vrai. D'avoir un homme, on peut l'avoir. Oui. Mais d'être marié. D'être marié. C'est dit, je suis Madame Telle. Ça, c'est, la femme, elle aime ça. C'est un honneur, je vous dis, mes frères, s'il vous plaît. Épouser ces femmes. Ne serait-ce que si ça peut le faire plaisir. Je vous souhaite que du bonheur, que votre route soit belle et lumineuse. Ben, elle est déjà lumineuse. Rien qu'à vous voir et à voir le public. Et puis voilà. C'est vrai, on a un public de folie. Merci, merci beaucoup.